Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de comment gagner de l'argent sur YouTube. Les méthodes dont je vais parler, ce sont des méthodes que moi-même j'applique pour pouvoir générer de l'argent sur YouTube. Alors vous le savez, je vous l'ai déjà annoncé, j'ai commencé un défi dans lequel je me propose de générer beaucoup plus d'argent sur YouTube. Donc l'idée, c'est de faire environ 1000 euros récurrents par mois d'ici 4 mois. Et donc ce que je vais faire, c'est partager avec vous mes stratégies pour y arriver, mes échecs, mes réussites, tout ce qui entoure en fait cette vie d'entrepreneur sur Internet. Si vous souhaitez être tenu au courant en temps et en heure de ce que je fais, de mes avancées, je vous propose de vous inscrire sur la liste qui est juste en bas d'infos. Donc ça vous permettra de rejoindre le club de futurs entrepreneurs que je suis en train de construire. Alors, comment je génère de l'argent sur YouTube? Il y a trois stratégies principales que j'utilise et que la plupart des entrepreneurs utilisent pour gagner de l'argent sur Internet. La première stratégie, qui est d'ailleurs la plus facile, c'est la monétisation via YouTube. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Comment ça se passe? Vous créez votre chaîne et vous demandez à YouTube pour faire partie de leur programme de partenaire. Donc c'est vraiment une procédure très simple. En général, ils vont vous dire oui. Et après que vous ayez été accepté par YouTube dans leur programme de partenariat, chaque fois que vous allez poster une vidéo sur YouTube, YouTube va mettre une publicité. Donc c'est les pubs que vous voyez chaque fois que vous regardez mes vidéos. Et donc à partir de ces pubs-là, je génère de l'argent sur YouTube. Ici, je vous partagerai personnellement ce que moi je génère sur YouTube dans les mois à venir. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui se construit sur la durée. Donc quand vous avez développé une communauté importante, vous faites des vidéos qui ont beaucoup de vues, là vous pouvez générer beaucoup d'argent. La deuxième façon de générer de l'argent sur YouTube, c'est à travers des partenariats avec les marques. Donc quand vous avez créé votre communauté, qu'elle grandit et que vos vidéos commencent à avoir des vues intéressantes, il y a des marques qui vont automatiquement vous contacter. Donc elles viennent à vous demander si vous pouvez faire la revue de leurs produits, si vous pouvez présenter leur business à vos abonnés. Et donc à ce moment-là, vous discutez avec eux, vous négociez d'une somme d'argent qu'elles vont vous payer. Et là, vous faites leur vidéo. Alors bien sûr, toujours, il faut accepter les marques qui nous parlent. En fait, il faut prendre des produits qui nous intéressent et pas juste tout et n'importe quoi, parce que effectivement, quand vous commencez à être populaire, il y a toutes sortes de marques qui vont vous contacter pour demander que vous fassiez leur publicité. Donc, il faut vraiment choisir des choses qui résonnent avec vous. Et bien sûr, garder un avis honnête sur les produits, ne pas juste dire des choses qui ne sont pas vraies pour gagner de l'argent. Non, non. Il faut être honnête vis-à-vis de vos abonnés. Et la troisième façon pour générer de l'argent sur YouTube, c'est via la vente de ses propres produits. Et c'est d'ailleurs cette façon que je préfère parce que c'est celle qui génère le plus d'argent. Donc vous l'avez vu, j'ai commencé sur la chaîne à faire des coachings payants. Nous avons créé des ateliers payants. J'ai créé ma propre gamme de produits capillaires. Donc ça peut être des coachings, des e-books, des livres, des formations en ligne. Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble de produits propres à vous que vous pouvez vendre à la communauté que vous avez réussi à construire. Mais un conseil très important que je veux vous donner, c'est il ne faut pas venir tout de suite avec l'idée de gain. Il ne faut pas, en arrivant sur YouTube, vouloir absolument générer de l'argent. Non. Pour commencer à vouloir de l'argent, il faut d'abord apporter de la valeur aux gens. Et la valeur que vous apportez, ça passe par le contenu gratuit que vous livrez. Vous imaginez si vous créez votre chaîne et que vous commencez directement à vendre des choses à vos abonnés sans leur donner en fait de la valeur, du contenu gratuit. Voilà, pour moi, c'est un peu aller trop vite en besogne. Donc, commencez toujours par une idée de partage, de donner gratuitement. Et seulement après, quand vous aurez construit une certaine confiance, une certaine relation avec les gens, là, vous pourrez maintenant leur vendre vos services. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les gens sont plus prêts à vous payer pour ce que vous offrez. Parce que vous avez fait vos preuves ailleurs, vous avez fait vos preuves, donc du coup, ils veulent aller plus loin avec vous et ils veulent aussi vous encourager et ils payent pour les services que vous leur proposez. Et aussi, si vous venez directement avec l'idée de vouloir faire du profit, vous risquez
vite de vous décourager parce que c'est quand même un processus, ça prend quand même un peu de temps pour pouvoir commencer à générer de l'argent, que ce soit avec YouTube ou avec les marques. Donc du coup, si votre objectif premier n'était pas d'aider les gens, vous allez être découragé. Pourtant, si vous pensiez à aider les gens, mais en fait, vous réalisez déjà votre objectif. Vous êtes déjà content que les gens soient satisfaits du contenu que vous leur livrez. Vous êtes déjà content d'aider les gens avec votre contenu. Donc, l'argent traîne peut-être à venir, mais ça va arriver. Donc, l'objectif premier, ce n'est pas le gain. C'est d'abord d'apporter de la valeur pour les gens, de les aider à résoudre un problème, à atteindre un objectif. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet de comment on gagne de l'argent sur YouTube. Je vous rappelle de ne pas oublier de rejoindre le club des futurs entrepreneurs en vous abonnant à ma liste pour recevoir en temps et en heure mes avancées sur ce chemin entrepreneurial que je suis en train de faire. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.